N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous confirmez que j'ai rencontré Alan. Je ne le savais pas. C'est toujours un bon moment pour venir au Barça, pour n'importe quel footballeur. Il n'y a pas un footballeur qui a dit non au Barça depuis que je suis ici. Il a ensuite ajouté, le joueur qu'on veut signer ici, on lui parle du modèle de jeu, des entraînements. Si tu touches 20 ballons dans un autre club, ici tu en toucheras 40. Le club, la ville qui est magnifique, l'histoire du Barça. J'essaie de les convaincre que venir au Barça est une opportunité en or. Depuis le début de la semaine, la presse catalane s'enflamme et annonce que le Norvégien Erling Haaland a décidé de rejoindre le Barça en fin de saison. Xavi, le coach des culés, se serait déplacé en Allemagne et l'aurait convaincu. Questionné à ce sujet en conférence de presse ce mercredi, il a fait le point. Messi voudrait quitter le PSG à la fin de la saison. Arrivé libre l'été dernier, Lionel Messi voudrait déjà quitter le PSG. La pulga qui peine à s'adapter à la vie et aux jeux parisiens ne penserait pas rester à la fin de la saison en cours. En effet, selon le média, Messi voudrait déjà quitter la capitale française pour un retour au Barça, là où il se sent bien. La source annonce même que les négociations seraient même très avancées entre la Pulga et Joan Laporta pour un retour dans la Catalogne cet été. De ce fait, la direction parisienne aurait été prévenue des intentions du septuple Ballon d'Or qui voudrait rejoindre l'équipe de son ex-coéquipier, Xavi Hernandez. Quel club n'allait pas s'ennuyer de lui? Pour moi, ils s'en sortent bien, a déclaré Sinagra à Diario Sport. Mais je suis convaincu que Lionel Messi va revenir à Barcelone. Peut-être l'été prochain. Il n'a pas l'air heureux au PSG. Évidemment, c'est un grand joueur et quand vous jouez comme lui, vous pouvez jouer n'importe où dans le monde. Mais il devrait être à Barcelone, sans aucun doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.